Le marché cède à nouveau du terrain après avoir déjà cédé 1,4% hier à la clôture. On commence ce point avec Airbus. Le patron de Bombardier a déclaré hier soir lors d'une conférence de presse à Montréal que les choses avancent extrêmement bien au niveau du projet de rattachement du programme C-Série à Airbus. Également dans l'actualité, Ipsen a obtenu le soutien du comité scientifique de l'Agence européenne des médicaments pour la commercialisation d'un nouveau traitement. Enfin, ArcelorMittal va déposer une nouvelle offre sur Essar Steel après une invalidation de son projet initial. Focus ce matin sur Total, le groupe fait partie des prétendants au prochain round d'adjudication de blocs pétroliers par le Mexique. 35 blocs en eau peu profonde seront mis aux enchères le 27 mars prochain. Les autorités ont recensé 36 enchérisseurs potentiels, dont 22 consortiums et 14 en solo. Le Français a prévu d'enchérir seul sur certains blocs, mais c'est également allié à Pemex d'un côté, mais aussi à BP pour d'autres. Je vous souhaite une très bonne matinée. Je vous donne rendez-vous à midi pour le prochain Flash.